Jeudi 8 juillet 2021. Moi, j'ai un pile joie dans le cœur pour me saluer, nous, dans nos Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Et nous senti, c'est seul dans la place ça que nous à l'aise comme ça. Parce que nous avons un gros patron, c'est l'Éternel des armées. Et l'aime dit gros patron, comme tout samedi, dans tout domaine patron là pour le protéger, mon cap travaille avec elle. Je suis son employé. Cher Seigneur, notre bon sauveur, mets-nous devant vous. Nous remercions d'ailleurs son fierté pour nous dire que c'est employé. C'est vous-même, c'est pour business là. Nous remercions pour ça. Cher Seigneur, dans le moment ça, nous avons le travail là qui démarre. Et nous avons le frère Boubène en moi avec toute famille. Dieu a une fonction au service. Cher Sheila, Zéphirin, frère Leslie, Zéphirin, frère Enel, sœur Enid, sœur Ina, frère Eliso. Alors, c'est Eline, frère Eline, c'est Eliso, nous la guérons tout le monde, Dieu Tout-Puissant, l'occasion, ça. C'est Emmanuela, c'est Santa, c'est Wisland, c'est Sandra, nous la guérons tout le monde, c'est Jodel, c'est Yolette, c'est Gina Désir, nous la guérons tout le monde, frère, c'est Prisner. Non, maman, ça, l'Éternel Papa, nous la guise, c'est Christana, c'est Lovely, c'est Bermania, c'est Anne-Rose, nous la guise, non, mon Dieu Tout-Puissant, et nous la guise, notre frère, notre ami, et Jean-Emmanuel d'Orléans, et nous la guise également, et frère Toussaint, Wilman Toussaint, qui besoin présence, au cher Seigneur. Nous la guise, le jeune, on dit Joseph, non, mon. Et nous m'adoucher, cher Seigneur, continuez à encourager nous. Nous combat l'Éternel, continuez à encourager nous, continuez à faire nos grâces, cher Seigneur. Continuez à faire nos grâces dans le combat, ça, l'Éternel, Papa. Parce que cette bataille-là, pas pour nous. Cette bataille-là, c'est pour, cher Seigneur. Pour l'Éternel, permettre de susciter un témoignage vivant dans le cas ça. C'est Ivanita, et ta santé le pas trop bon, non la gueule nan men ou, non la gueule c'est assez l'homme, et ta santé le pas bon, non la gueule nan mon. C'est frère, c'est Milton nan mon Dieu Tout-Puissant nan moment ça, non la gueule Jack Joannès avec toute famille, et frère, c'est Robinson Delva, Dieu Tout-Puissant nan la gueule tout nan mon nan moment ça. Et nous m'avons fait grâce l'Éternel, Papa, toutes frères et sœurs, toutes amies, toutes les brèches vers Dieu, toutes les brèches pour Médis, toutes les brèches Charles, nous la guérons tout le monde, c'est Nipson Antoine, cher Seigneur, toutes les brèches Joseph, nous la guérons tout le monde, merci, gloire à toi, béni soit ton nom. Frères et sœurs, nous sommes contents pour nous retourner dans le même lieu rendez-vous. Et nous, Papa Chambre, bouquet dit l'Éternel, merci pour grâce lui. Pour amener les manifester environ. Non, côté notre arrivée, à notre ouais côté que Paul l'a dit non. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ te éclairera. Ça te permet de comprendre que grand pile monde cap monter descendre dans l'église. Il a dormi. Il a dormi, il a un sommeil profond. Mais l'Éternel, par bouche, apôtre Paul, serviteur, lui m'a dit pour moun sa yo, réveiller dans le sommeil ça. Réveiller dans le sommeil ça. Parce qu'il a dormi profondément. Pour yo réveiller dans le sommeil ça. Alors, frères et sœurs, et nous prenons verset 15 là, nous avons Éphésiens chapitre 5, nous prenons verset 15, frères et sœurs. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Les paroles là m'ont dit, frères et sœurs, pour yon moun conduit tête li avec circonspection. Ça veut dire, faut son moun qui retenu,
c'est pas un monde comme si qui dans toute bagaille li entrer la école bagaille et non comme si son monde qui prudent en quelque sorte bon ouais mais vraiment ouais. Il y a un monde qui a conduit tête avec circonspection, c'est un monde qui est prudent. Parce que ce sont les insensés qui ne sont pas prudents. Ouais? Non comme des insensés, mais comme des sages. Vous comprenez? Les insensés ne sont pas prudents. Ils ont foué nez, ils ont foué bouche dans n'importe bagaille, les insensés. Mais pour les chrétiens, ce n'est pas la même chose. Les gens qui sont retenus, ce sont des gens qui sont très prudents. Alors, Paul l'a dit là, prenez garde de vous conduire avec circonspection. Donc, conduisez-vous avec prudence. Ou pas, ouvrez corps, laguez corps, etc. Ou prenez précaution. Parce que là, il y a un texte biblique qui dit que pour chrétiens très simples, comme le serpent, ça veut dire là, nous voyons que la prudence est de mise pour le chrétien. Très simple comme le serpent. Le serpent, pas n'est que vloup li traverse son chemin. La veille à gauche, à droite, est-ce qu'elle est propice pour lui? Malgré une série de pays, serpent n'est pas de bête là, mais serpent en particulier, si machine a campé pour lui. Gros choc yo a campé pour lui, mais ça n'a pas empêché que et c'est pas un panne qui paraît pour le fou école dans la rue. Non, il n'y a pas qui paraît pour le fou école dans la rue. Ou elle garde à gauche à droite pour le est-ce que il est capable de franchir? Vous comprenez? Est-ce que il est capable de franchir? Alors c'est ça, frères et sœurs, Paul l'a dit nous là pour nous agir comme des gens sensés. Non pas comme des insensés, ça veut dire qu'on agit comme des sages, dans la toute prudence, frères et sœurs, dans la toute prudence, hein, pour nous agir comme des sages. Donc, nous dit l'Éternel, merci pour parole. Rachetez le temps car les jours sont mauvais, frères et sœurs, ça veut dire racheter le temps. Pendant que vous avez une possibilité, faites ça ou bien pour faire. Et puis, devant, vous n'avez pas une possibilité, ça. Ah ouais! Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est jeudi à qui je salue à vous. C'est jeudi à qui je vous fais arrangement. Donc on a gardé frères et sœurs, nous avons des gens qui peuvent fonctionner, qui pas jamais ont l'esprit de progrès. Comprenez ça, me le dit. Ils n'ont pas jamais l'esprit pour chercher ça, pour faire. Ouais, mon tout le temps les apégrés dans. Mais faut mon entame mettre dans tête, ils ont l'air pour arriver. Hein, li pa kapab ou son la met nan tèt li on lè la bien charge surtout des jeunes garçons des jeunes filles qui gaspillent leur temps parce qu'il y a un bagage charge on pa gen charge il faut préparer pour demain là ça c'est un manque de sagesse vous comprenez frères et sœurs c'est un manque de sagesse oui lè pou ta préparer ou pas préparer ben la parole l'a dit sur le plan spirituel racheter le temps car les jours sont mauvais. Et même bientôt, sur le plan social, sur le plan économique, on ne peut pas arrêter. Hein? Mon nom arrêté, il ne peut pas apprendre une profession. Il ne peut pas apprendre une profession. Il était là. La calé ouest dans l'ouest. Hein? La calé ouest dans nord-ouest. La calé ouest dans sud-ouest. Il ne peut pas prendre précaution non, avec la vie. Li. Hein? Il n'y a pas fait arrangement dans la ville. Vous comprenez ça, me dit, frères et sœurs. Il est venu l'aptan, puis devant pour tout bagaille pour aller bien. Pour non, et pas comme ça, ça va aller bien. Pour le bien, il y a une certaine préparation pour te faire pour ça. Si vous n'avez pas fait préparation, devant, pas qu'à bien vrai pour en quelque sorte. Donc c'est très important, frères et sœurs. Paul l'a dit, il a racheté le temps car les jours sont mauvais. Alors, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Frères et sœurs. Frères et sœurs, les dit un monde inconsidéré, c'est un monde qui agit sans réfléchir. Un monde qui agit, un monde qui bouche li pa gen arrêt, li parle n'importe comment, li pa réfléchi sous ça l'a dit.
Eh bien, c'est la RuPaul a dit, ne soyez pas quelqu'un qui est inconsidéré, quelqu'un bouche li dit n'importe qui parole, li pas tenu compte des ampleur de ses paroles. Mais c'est la parole de Dieu dit, ne soyez pas inconsidéré. Vous comprenez? Ne soyez pas inconsidéré. Sinon, allez dans le texte biblique là, bien, nous voulons comprendre côté noyé là, il dit, et c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, ça veut dire que, on va pas vague, on va pas agir sans réfléchir, on va pas dire sa bouche ou vous dit, on va pas faire ça ou vous le fait. Non content de gagner des gens qui peuvent demander pardon parce que ils ont parlé sans précaution, ils ont agi sans précaution. La fille a toujours non circonstance puis a demandé pardon. Ouais. Ah, mais bon, la parole là, ouais. Et la Bible a remède pour tout type de maladie. La Bible a demandé pour ne pas faire comme ça, non, frères et sœurs. Ah. Pour ne pas faire comme ça, pour ne pas parler, mais n'importe comment, agir n'importe comment, et ça pourrait le faire que nous pourrions le venir, ouais, nous pourrions prendre l'autre bande sociale là, nous pourrions le venir inconsidéré. Ça veut dire que les n'a pas parlé, ils n'ont pas d'importance à ça, n'a pas dit, ils n'ont pas gardé nous pour, ils n'ont pas pris nous au sérieux. Il faut nous comprendre, nous, pas qu'on ait pris inconsidéré comme ça, non, faut. Il dit faut parler, faut réfléchir dans tout ce qu'on fait parce que l'eau est considérée, ça veut dire que il y a pas gardé à rien, hein? Vous comprenez, pas gardé à importance, pas gardé à rien, pas gardé à importance parce que ou habitué ou comme sous vague, puisque vague ou fait n'importe qui bagaille ou dit n'importe qui bagaille, donc ou pas représenter grand chose devant mon société ya. Oui. Ou pas représenter rien. Vous comprenez? Mais pour là, mandé pour nous chercher comprendre la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, frères et sœurs. Nous remarquons chapitre 5 là et chaque verset ou chaque deux versets c'est et gon l'autre parole les dit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça veut dire enivrer de vin. Moun kabre, et moun kabre pour le sou décontrôler, abdi parole décommodé. Vous comprenez? Bre, sou décommodé et dérangé côté moun nan, et l'abdi parole décommodé. La palé, comme si mon a déraillé. Oui, c'est ça, oui. Mon a déraillé. Bouche li quitté direction. Paul l'a dit là. Ou pas qu'il doit comme ça. Ou ceci serviteur, servante de l'éternel. Ou pas qu'à brecler un pour sou. Bredivin pour sou. On a gardé de façon abusive. Vous voulez comprendre ça, m'a dit, ah oui, de façon abusive, mon achita libre bien, libre prestige, libre, le vin la fait louange, qui est libre yon caisse bière, libre demi-caisse bière, libre 10 bouteilles bière. À quoi ça sert? C'est de la débauche, oui, c'est du vagabondage. Koto ou metel, li vinon louange pou wa, koto ou metel, ki koto gen pou metel? Ah non, frères et sœurs, fok non réfléchi, ne vous enivrez pas de vin, comprenez? Mais soyez au contraire remplis de l'esprit, même bagay ki pou ple ou nan, c'est l'esprit de Dieu. Frères et sœurs, le Saint-Esprit de Dieu, tant qu'on a toujours dit ça, c'est le gérant du chrétien, et moi-même, l'autre, j'aime dire ça, c'est le garant du salut, le garant de la vie éternelle. Depuis, on gagne le Saint-Esprit, non, même, hein,
son sorte de garantie qui dit que ça moun ça son monde qui sauvé. Sou pas sauvé, ou pas gen le Saint-Esprit qui était dans la vie ou. Alors tande ça yo dou là, yo dou que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, rempli de l'esprit. L'observe bon Dieu dans niveau hier pour toujours s'entourer insatisfait dans niveau hier pour chercher l'autre niveau dans main l'Éternel, pour chercher l'autre faveur, pour chercher l'autre grâce dans main l'Éternel. Vous comprenez, frères et sœurs? Chercher l'autre faveur, l'autre grâce dans main l'Éternel, on va arriver non degré les fini pour vous trouver gaspiller tant en brai, dans bamboche, dans divier parole, etc. D'ailleurs, frères et sœurs, non qu'on est depuis mon sou mon a perdu lucidité là. Oui, nous comme ça oui. Depuis mon nan sou, mon nan perdu lucidité lui, mon n'a dit parole droite et gauche. Mon n'a dit parole droite et gauche. Mon nan déraillé depuis le sou. Vous comprenez frères et sœurs? Alors nous même nous encourager pour mon cap servir bon Dieu, même avec servité à li di là, ou pas enivré au devin. Bre boisson forte. Si vous parlez divin, on me dit boisson forte. Et nous connaissons, frères et sœurs, degré dans la boisson forte, gagnant qui a 20%, gagnant qui a 25%, gagnant qui a 10%, monde qui comme si qui fin débauché. Yo n'y a pas pris une petite dose, petit pourcentage petit, non? Non! Il a acheté boisson forte là, il a demandé combien pourcentage alcool la gueule la donne. Là on dit lui ça 15%, ah pas besoin ça. Ou pas gagner à 40%, pas gagner 30%. Ça veut dire c'est plus gros dose là, il a besoin bagaille qui pour déranger aux frères et sœurs. Alors parole là dit non là pour nous prendre précaution non. D'ailleurs, quel intérêt, frères et sœurs? La Bible dit, nous voulons connaître ça. La Bible dit, pour brayon ti du vin, à cause de différentes fréquentations. Ça veut dire que, pas de problème si on moun brayon ti bagay. Hein? C'est ça la Bible dit. Mais là, on moun chita ou chita ou brayon, ou a chercher des degrés qui pi élevé, mes amis. Ah non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais la parole de Dieu condamnée là, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça pour nous faire assez chaque jour pour nous chercher coller plus sous bon Dieu. Chaque jour pour nous chercher faire expérience plus avec l'Éternel. Chaque jour pour nous marier code non, si vous permettez-moi de dire ça, marier code non plus à l'Éternel. Vous comprenez? Les noms marécodes non plus à l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu fait demeure li dans la vie, non? Frères et sœurs, son bagage super extraordinaire. C'est là, nous avons bonne direction, nous avons bon band là. C'est là, frères et sœurs. C'est là, nous bien tombé, nous avons cherché entrer plus sous l'Éternel. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, pour des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de l'Éternel. Les Paul l'a dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Pour remplir de l'Esprit, ou souffler de Saint-Esprit, non dit comme ça, faut qu'on toujours tendez à qui ça pour remplir là. C'est à partir des psaumes, des hymnes, hymnes, sans forme de cantique, oui, lié. Pour glorifier ça qui a un rapport à bon Dieu. Ça qui a un rapport à bon Dieu. Des cantiques spirituels. On sait ça, oui, qui peut répéter. Pour dans l'esprit, oui, pour ces chants, ces louanges, bon Dieu, qui a passé dans l'esprit, et continuellement, oui, frères et sœurs. C'est ça, oui. Les finis, les tiennes, nous avons chaque jour là-bas, ou grâce en plus. La paix est abondée dans la vie. En plus, parce qu'on connecté dans lui-même, toute réflexion, tout ça, on dit, c'est l'Éternel. Nous voulons comprendre ça, frères et sœurs, c'est extrêmement important. Tout ça qui a passé dans l'esprit, tout ça, on dit, c'est l'Éternel. Vous comprenez?
C'est l'Éternel, tout ça wap di yo. Yo pa an dehors. Très important, frères et sœurs. Yo pa an dehors de l'Éternel. Yo an dan l'Éternel tout le temps. Faut chanter l'Éternel yo. Moun nan ki kwen nan diable la, frères et sœurs. Non pa ou kon fè expérience la. Moun nan gon bicyclette, li gon motocyclette, vie musique la passe la dan, c'est vie musique diable. Vie musique décolleté. Li gon machine encore plus. Li gen doit ouvrir volume machine nan. Et lui même qui n'a machine dans mando qui en le fait faire, mais cependant comme s'il gon publicité la fait, li gon bagaille un message la fait passer, c'est pour l'ouvrir démagogie à fort dans oreille, parce que li gon message la fait passer. Frères et sœurs, nous même les serviteurs de l'Éternel, à combien plus forte raison, parce que nous avons espérance de la vie éternelle, frères et sœurs, nous connaissons ça n'a fait à qui côté la mener, non? Oui, c'est pour chant chrétien, yo, c'est pour somme, yo, c'est pour nous apprendre, yo, c'est pour y passer dans l'esprit, non? Les moments graves, c'est pour nous faire appel avec yo, parce que yo là, avec la foi pour nous délivrer, non? Au moment difficile, les nous arrivé dans bagay complexe, yo là pour nous délivrer, non? Mais faut que yo dans bouche, non, frères et sœurs? Et ça, oui, faut que yo là dans bouche, non? Si pour nous délivrer, non? Hein? Admettons que nous voulons délivrer nous. Faut que yo là dans bouche non frères et sœurs, vous comprenez? Faut que yo là dans bouche non, non pas capable chercher un coin non météo, les venir nos besoin au délivrer non non non, faut que yo là dans bouche non. Faut que n'a pas repasser yo. Faut que n'a pas ruminer yo frères et sœurs, c'est ça, il faut que n'a pas ruminer yo. Faut que souvent nous n'a pas prendre verset biblique, gain des versets, nous ta dû faire collier dans cou non. Nous ta dû faire bracelet dans bras non oui, frères et sœurs, une série de versets, mais faut nous croire là-dedans yo et c'est pas Jacques répète n'a fait veine redite. Là nous parler de Jacques répète là, nous connaissons Jacques qui a répété les propos d'une personne, moun nan di on bagala Jacques a pas qu'à dire bien mais le répéter li et veine redite là c'est les moun nan a répété une série de bagages de temps en temps la répéter mais dans la ville pas correspond à ça la répéter. La parole de Dieu relé le veine redite. A peut répéter en vain. Et ça oui, et veut de répéter en vain. Frères et sœurs, nous venons un moment pour nous finir. Les arrivés sous nous. C'est 41 20 74 33 36 76 58 73. L'Éternel besoin, oui, l'Éternel besoin. On nous arrange, non, parce que je suis prêt pour arriver. Que bon Dieu était à vous.